Voici le logiciel Sol si jamais vous ne pouvez pas le télécharger. Je vous fais une vidéo pour vous montrer ce que l'on pourrait obtenir en ligne. Donc ce logiciel, on clique sur les constituants et nous devons observer cet échantillon. Le but est, à l'aide de la pince, de récolter les différents échantillons qui vont apparaître dans le tableau. On pourrait utiliser aussi la loupe si on n'arrive pas à trouver tous les éléments au niveau de ce sol. Donc là, au fur et à mesure, hein, je ramasse des éléments. L'embêtant, c'est que quand on clique deux fois, en fait, l'élément disparaît. Et du coup, après, on est un petit peu plus perdu. Voilà. J'ai maintenant tous les éléments ici. Une catégorie, ici une deuxième catégorie, ici une troisième catégorie. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, à la maison, soit faire une capture d'écran pour la coller directement dans votre cahier si vous préférez, soit vous pouvez noter tout simplement les noms des choses obtenues dans le tableau de l'activité 1. Vous pouvez ensuite ici donner un titre à chacune des catégories.